Le Qatar, qui va accueillir la Coupe du monde de football dans moins de 7 mois, met les bouchées doubles au niveau sécuritaire. Une conférence s'est ouverte sur ce thème dimanche dans un palace de Doha, réunissant les pays qualifiés ainsi que les représentants de la FIFA et Europol en présence du Premier ministre qatari. Le directeur de la sécurité de la FIFA salue les efforts consentis par le pays hôte. Nous procédons à une évaluation des risques quotidiens en ce qui concerne les menaces terroristes. Disons que les menaces sont faibles et sous contrôle ici au Qatar. Le défi est de mettre en place une organisation adaptée au nombre de visiteurs concentrés au même endroit. Le Qatar rassure la FIFA, l'instance du football va travailler avec les organisations de sûreté et sécurité afin de gérer les incidents qui pourraient survenir durant la compétition. Pendant le tournoi, nous aurons un centre de coopération policière internationale où toutes les délégations seront présentes et si nous rencontrons un problème avec un groupe de supporters particuliers, alors nous pourrons échanger et obtenir des informations sur la façon dont nous pourrons gérer cela. Le chef du comité des opérations de sûreté et de sécurité, le général de division Abdullah Al-Ansari, est satisfait du plan de sécurité mis en place par le Qatar. Il s'agit en fait d'une conférence de 2 jours. Le premier jour, nous allons vraiment explorer avec eux tous nos plans de sécurité que nous avons mis en place, toute notre planification, et ensuite nous les tiendrons bien informés sur les procédures et les politiques qui vont être mises en œuvre pendant la Coupe du Monde. Le Qatar compte également dévoiler le projet Stadia qui le lie à Interpol en matière de dispositions sécuritaires. D'une durée de 10 ans, il apporterait une valeur ajoutée à tout pays accueillant un événement important.